Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Pour petit rappel, je suis guérisseuse, thérapeute spirituelle et énergétique et aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet de notre libération de vœux. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux vœux de pauvreté. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le vœu de pauvreté va se manifester aujourd'hui avec des difficultés. Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à garder, à mettre de l'argent de côté. Voilà, pour ceux qui ont encore des petits doutes pour est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait, est-ce que c'est juste la poisse, est-ce que... voilà, je vous propose tout de suite de regarder ces deux cartes. De fermer les yeux. Et instinctivement, en rouvrant les yeux, votre regard va se porter sur l'une de ces deux cartes. Voilà, vous avez donc votre réponse. Pour les vœux, nous avons... aujourd'hui, celui de la pauvreté qui est rattaché au chakra racine. Il faut bien comprendre que quand on a fait ce genre de vœux, ça porte aussi préjudice à votre chakra. Ça peut lui provoquer des dysfonctionnements. Et voilà, donc petite info, la pauvreté, c'est relié aux racines. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la méditation. Pour commencer, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Portez votre attention sur votre respiration. Ressentez-la de plus en plus profonde. Et alors qu'à chaque inspire, vous faites entrer la détente, le calme, l'amour. À chaque expire, vous rejetez les tensions, le stress, les énergies négatives. Imaginez-les sortir de votre bouche comme des gros nuages gris à chaque expiration. Et sentez comme votre corps s'alourdit au fur et à mesure qu'il se détend, qu'il se relaxe. Placez maintenant votre attention sur votre chakra du cœur. Mettez toute votre intention dans votre cœur et ressentez-le s'ouvrir. Imaginez ou visualisez un fil d'or sortir de votre chakra du cœur et descendre doucement le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre bassin. Puis à ce niveau, il se sépare en deux afin de continuer le chemin le long de chacune de vos jambes. Sentez cette énergie fourmiller sous votre plante de pied. Imaginez maintenant que ces fils se divisent en plein de ramifications, comme les racines d'un arbre, mais sous vos pieds. Imaginez-les descendre de plus en plus profondément. Plus en plus profondément au centre de la terre. Parfait, maintenant que vous êtes bien ancré, j'aimerais que vous vous recentriez au niveau de votre cœur. N'est-il pas plus actif que tout à l'heure? Maintenant, imaginez ou visualisez un fil d'or sortir de votre chakra du cœur et
monter le long de votre colonne jusqu'au sommet de votre tête. Puis imaginez-le sortir de votre chakra couronne pour monter de façon linéaire jusqu'au nuage. Alors qu'il continue de monter jusqu'à l'espace toujours plus loin dans l'univers. Parfait. Maintenant que vous êtes ancré dans les énergies idéales pour recevoir, je vais appeler auprès de vous les êtres de lumière. J'appelle l'archange Michael ainsi que Raphaël. J'appelle votre guide de lumière. Et je vous invite à l'appeler également, ainsi que tous les êtres de lumière désireux de venir en aide auprès de chacun de vous. Je vous invite également à les appeler mentalement et de leur demander de vous entourer de leur énergie d'amour maintenant. Et de nous aider dans ce soin. Je vous invite à vous centrer dans votre cœur, car pour l'annulation d'un vœu, il est nécessaire que ça vienne du plus profond de celui-ci. Et je vous invite à répéter après moi. Moi, suivi de votre nom et de votre prénom. Je demande maintenant pour toutes mes incarnations, passées, présentes et futures, pour tout mon être dans toutes ses dimensions existantes, d'annuler, de résilier et de révoquer définitivement tous les contrats, accords, consentements, engagements, vœux, promesses, pacte autour de la pauvreté et du manque d'argent que j'ai passé avec moi-même. Avec d'autres âmes. Avec l'ombre. Ou que je porte de mes ancêtres. Afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je réclame tout mon pouvoir personnel. Et à partir de maintenant, je me déclare libre pour manifester la plénitude dans mon enrichissement et dans mon rapport à l'argent, dans le sens le plus large du terme, dans ma vie. Je demande que tous ces contrats et accords avec tous leurs implants et systèmes associés
soit définitivement annulé et remis à la lumière. Et que toutes leurs conséquences soient annulées dans toutes mes incarnations. Ainsi soit-il. Merci et gratitude, c'est fait maintenant. Prenez le temps de prendre une grande inspiration pour sentir les effets de cette libération dans tout votre corps. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de méditation soin. Namasté.